C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Yves. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été une semaine mouvementée entre le Canada et la Chine. On va commencer justement notre analyse ce soir par cet échange entre le premier ministre Trudeau et le président Xi. Bon, tout le monde a vu les images, là, le président Xi qui est en train de sermonner M. Trudeau. Il l'accuse d'avoir révélé des informations aux médias. Il y a deux écoles de pensée sur cet incident. La première à l'effet que le premier ministre Trudeau s'est fait humilier par le président chinois. La deuxième à l'effet que M. Trudeau s'est tenu debout devant le président chinois. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous en pensez? Joël Denis, je commence avec vous. Ouais, visiblement, M. Trudeau a été pris au dépourvu avec cette discussion qu'il a eue avec le président chinois. Je vous dirais, par contre, le président chinois ne sait pas comment fonctionne le bureau du premier ministre, parce que à chaque fois qu'il a une rencontre avec un dirigeant étranger, il émet un compte-rendu. Donc, là, c'est normal que la discussion se soit retrouvée dans un compte-rendu livré aux médias. C'est le reproche que faisait le président chinois. Maintenant, est-ce que M. Trudeau s'est fait sermonner ou il s'est tenu debout? Moi, je pense qu'il s'est tenu debout en répliquant rapidement, parce que ça s'est déroulé un peu, comme je le disais tout à l'heure, il a été pris au dépourvu. Il a quand même su répliquer de manière adroite, en disant qu'au Canada, il y a des droits et libertés, la liberté d'expression existe et on va continuer de le faire, même si on est en désaccord là-dessus. Donc, j'ai trouvé que M. Trudeau avait réussi à se tenir debout devant un dirigeant qui n'hésite pas à bousculer le Canada. Le pays, la Chine le fait depuis plusieurs années et on va faire du Canada un exemple à travers la planète pour des comportements qu'on ne veut pas voir de la part de la Chine. Donc, pour le premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, il est encore quand même assez grandi. Altia? Ben, je ne sais pas s'il ne le sait pas comment fonctionnent les communiqués émis par le bureau du premier ministre ou il fait semblant de ne pas le savoir. J'ai trouvé que c'était pas mal intéressant que cet événement-là se déroule devant une caméra qui était clairement comme à quelques pas de des deux dirigeants. Puis c'était quand même assez poli. Alors, je dirais pas que c'est une grosse chose, mais je suis un petit peu dans le milieu entre ces deux camps-là. Je pense que les gens veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent voir, si je peux le dire comme ça. Je pense que M. Trudeau s'est bien déroulé face à un échange auquel il ne s'entendait pas, clairement. Mais tu sais, ça s'est quand même fini avec des sourires puis une main serrée. Quand même, quand la Chine te reproche quelque chose, moi, ça me fait penser, en fait, il y a deux choses qui me frappent. Il dit que la conversation ne s'est pas passée comme ça. Alors, si c'est pas le cas, si c'est clair, des fois, le bureau du premier ministre nous dit juste quelque chose qu'ils veulent dire aux Canadiens d'une conversation qui s'est passée, disons, avec le président Biden, comme exemple. Puis le président Biden, il dit, il dévoile d'autres choses de la conversation que M. Trudeau, le bureau de M. Trudeau, nous a pas dit. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment dit durant cette conversation-là? Puis l'autre chose, c'est, est-ce que c'est un incident de force que la Chine a voulu faire au G20 pour nous remettre à notre place, disons. Ça, je pense que c'est peut-être un petit peu plus inquiétant. On voyait sur le visage de Katie Telford, la chef de cabinet, à la fin là, des images que vous avez montrées, qu'elle avait l'air un petit peu plus inquiète que joyeuse. Ouais. Et Yves, le premier ministre Trudeau s'est fait humilier ou il s'est tenu debout devant le président chinois, selon vous? Je dirais qu'il s'est tenu debout et je dirais la chose suivante. Quand il s'est adressé au président chinois pour parler de la présumée ingérence lors des élections de 2019, est-ce qu'il parlait au président chinois ou il parlait aux Canadiens pour montrer qu'il se tenait debout devant le géant chinois? Moi, j'ai davantage l'impression que c'est plutôt aux Canadiens qu'il parlait. Et quand le président Xi a répliqué, est-ce qu'il s'adressait uniquement au Canada ou il s'adressait à la communauté internationale pour dire que c'est la Chine qui dictait les règles du jeu et non l'inverse? Alors, je pense que chacun s'adressait à un auditoire particulier. Et en ce sens-là, moi, j'ai bien l'impression que M. Trudeau s'est tenu debout, a fait en sorte qu'il repousse les critiques qu'il pourrait avoir des partis d'opposition. Il y en a eu, mais c'était assez faible, comme vous avez pu le constater. Alors, je pense qu'il sort gagnant de cet échange-là. Ouais. Sur le fond du problème maintenant, comme tel, là, l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019, on a entendu le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, demander aux libéraux s'ils avaient porté plainte au commissaire aux élections lorsqu'ils ont été mis au courant de cette affaire-là. Joël Denis, comment vous trouvez la réaction des libéraux face à cette ingérence de la Chine?
plutôt opaque. Je voudrais que les libéraux auraient avantage à nous dire exactement ce qu'ils savent là-dessus. Le gouvernement libéral, toute l'information doit être divulguée aux Canadiens parce que ça touche au premier rang l'avenir de la démocratie canadienne, l'ingérence étrangère. Et les Canadiens sont les premiers concernés parce que ce sont eux qui votent pour les gouvernements. Donc, je pense que M. Trudeau et son gouvernement ont un devoir de reddition de comptes, de transparence en la matière. Et je crois que le parti de l'opposition, les partis de l'opposition font bien de réclamer des noms et des comptes et de l'information à ce sujet. Je ne sais pas, il y a un comité qui a été mis sur pied, en fait, qui étudie cette affaire en ce moment. J'ignore où du coup ça va aller, mais c'est très, très grave, ces allégations d'ingérence envers la Chine. Oui. Sur la réputation du Canada à la suite de toute cette affaire, parce que, bon, Yves, vous parliez tout à l'heure de la réaction de l'opposition. Luc Berthold, des conservateurs, a dit que le premier ministre Trudeau est arrivé mal préparé à cette rencontre, que c'est encore le Canada qui a l'air fou à l'échelle internationale. Alexis Brunet, du CEP, du Bloc québécois, dit que le premier ministre Justin Trudeau n'est pas pris au sérieux. Althia, est-ce que ces critiques de l'opposition, ça vous semble fondé? Ben, c'est leur job de critiquer, c'est pour ça qu'on est une opposition. Je m'attends pas à ce qu'ils disent que le premier ministre est en train de faire une belle job. Je pense qu'il y a peut-être des critiques qui sont plus à point. Disons que c'est pas mal étrange qu'on nous dévoile qu'on a nous maintenant une nouvelle stratégie indo-pacifique, mais qu'on va nous l'annoncer après le G20 est terminé. Mm-hmm. Ça, je pense que peut-être que ça aurait dû être fait à l'avance. Il n'y a pas beaucoup de transparence dans le processus où les réponses qu'on nous donne ne font pas trop de sens. Est-ce que le premier ministre a été mal préparé? Bien, je le vois dans cette lumière-là, que peut-être si on avait une stratégie publique, on saurait c'est quoi nos ambitions, c'est quoi les buts pour cette conversation-là, ou cette conversation-là, je devrais dire. Mais non, je trouve que c'est des points qui, ouais, que c'est à de faire. Alors, je ne dirais pas qu'ils ont manqué de coup. Oui, c'est ça. Yves, sur la réputation du Canada, qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. Est-ce qu'on ressort de toute cette affaire entachée en fin de compte, là? En fin de semaine, Il faut réaliser que depuis 2015, en matière d'affaires étrangères, le Canada n'a pas impressionné personne. Mais ça démontre une chose. Les relations avec la Chine sont mauvaises. Les relations avec les États-Unis, c'est assez bancal et tout va dépendre de qui aussi sera le prochain président. Mais il faut aussi voir ça de la façon suivante. L'urgence d'établir des liens commerciaux plus forts avec d'autres pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Il y a une urgence de tisser de nouveaux liens parce que avec les plus grands partenaires commerciaux, il y a des problèmes. Et oui, le Canada a des problèmes avec son image internationale depuis 2015 et ça semble pas à la veille de se régler non plus. Il nous reste une minute. Je vais finir avec l'énoncé économique qui a été présenté il y a deux semaines par la ministre, Mme Freeland. Le directeur parlementaire du budget a reproché cette semaine au gouvernement de manquer de transparence. Yves Giroux déplore qu'Ottawa a annoncé plus de 14 milliards de dollars en nouvelles mesures, mais sans fournir de détails précis sur ces dépenses. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de ces critiques du directeur parlementaire du budget? Parce que quand même, 14 milliards en dépenses, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Je pense que c'est un rappel à l'ordre de la part d'un agent du Parlement qui vise le gouvernement, parce que le gouvernement a pris au fil des dernières années, en fait, depuis la pandémie, de mauvais travers, de dépenser sans donner beaucoup de détails. On a juste à penser aux dépenses qui ont été faites durant la COVID. Parfois, il y a des dépenses qui n'étaient pas très, très claires et dont les objectifs n'étaient pas très, très précis. Et donc, c'est un rappel à l'ordre qu'il faut faire davantage preuve de transparence et fournir des détails, parce que, dans le fond, les élus sont appelés à voter sur des choses dont ils connaissent peu de détails. Donc, c'est presque donner un chèque en blanc au gouvernement. Et je pense que c'est un rappel qui était judicieux de la part du directeur parlementaire du budget. Tout le temps qu'on a cette semaine, Joël Denis, Althia et Yves, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne semaine. Au revoir. Au revoir.